Je vous cache pas que là, tout de suite, je me déteste un peu parce que tous les plans que j'ai faits avant d'arriver au spot final, j'ai mis mon téléphone dans le mauvais sens. Chaque accident dans la vie nous fait comprendre nos erreurs. J'avais donc décidé de tourner à la chapelle de Notre-Dame de l'Espérance et j'avais oublié qu'il y avait des ruches. Du coup, je vais tout recommencer. C'est le tournage le plus rigolo que j'ai fait. Je suis en nage. Phase 7, acceptation. Une chose que j'aimerais dire sur cette phase d'acceptation. Je sais que tu seras pressé d'arriver au bout, de retrouver la paix. Mais j'aimerais te dire que si les choses prennent du temps, c'est parce qu'elles en ont besoin. Ne sois pas trop exigeant envers toi-même. Laisse-toi le temps. Le temps, c'est le meilleur compagnon d'une vie. C'est quelque chose qui a une valeur inestimable, qu'on ne peut pas acheter. Alors fais de chacun des moments de ta vie un précieux temps. Ton temps, c'est de l'or. C'est une vidéo qui me tardait vraiment de tourner et de monter parce que c'est la dernière, donc c'est assez émouvant. Aussi parce que les deux chansons que j'ai choisi d'inclure dans cette phase sont vraiment une extraction directe de mon cœur pour ma famille, mes amis, pour vous qui me suivez, qui avez décidé d'écouter ma musique, pour qui mes textes font parfois écho. J'avais décidé de tourner à la chapelle de Notre-Dame de l'Espérance parce que Espérance, c'est le village où je suis née, à l'île de la Réunion. C'est là où j'ai été conçue, où ma mère m'a donné la vie. J'ai toujours trouvé ça magnifique, ce mot, espérance. Je trouve que quand on atteint dans son deuil l'étape de l'acceptation, on se re-remplit d'espérance. J'avais vraiment envie de vous partager ma quiétude, ma paix et ma résilience. L'acceptation, pour moi, c'est avant tout passer par la cicatrisation, la réparation, savoir localiser exactement où étaient mes plaies. La plus grande de mes plaies, c'est le déracinement. Effectivement, je suis née sur une île à 12 000 km d'ici. Je me suis jamais vraiment sentie réunionnaise parce que j'ai grandi ici en métropole. Et pour autant, j'ai toujours senti une faille immense en moi. La première chanson que j'ai choisi d'inclure dans cette phase s'appelle « Le scaphandre et le papillon ». C'est une référence à un très beau livre et un très beau film. Je me suis toujours sentie comme dans un scaphandre. Comme si tout ce qui était important pour moi et qui m'intéressait était dehors. J'ai toujours rêvé d'exil. Il y avait une part de moi qui ne trouvait jamais sa place. S'ancrer, relever de l'abandon, de la renonciation, des choses que je ne voulais pas pour moi. En écrivant cette chanson, j'ai vraiment renoué avec toutes les parties de moi. Même les tout petits éclats, je les ai retrouvés. C'est un morceau extrêmement expérimental. C'est un mélange de rap et de chant sur de l'électro maloya, la musique traditionnelle de la Réunion. Pour que la mise en abîme soit complète, j'ai décidé de chanter quelques mesures en créole. Je ne vais pas m'étendre sur le second titre
que j'ai choisi d'inclure dans cette phase d'acceptation pour une raison très simple. Ce sera le morceau caché pour les plus fidèles, ceux qui achèteront la version physique de l'album. Il ne sera pas présent sur les plateformes de streaming. Instru magnifique, compositeur Camille. C'est un trip-hop avec de l'accordéon. Et cette chanson parle d'un de mes plus grands amours. À l'heure où j'enregistre cette vidéo, la troisième et dernière chanson n'est pas encore finalisée. Je n'ai pas encore enregistré les voix. Elle est écrite, elle est composée, elle est magnifique. Si on considère que le deuil est le morceau bilan de l'album, celle-ci, qui s'appelle « Mes colliers de fleurs », est la conclusion de mon album. Je pense qu'elle résume, et dans l'orchestration, et dans le texte, toute la volonté que j'ai choisi de mettre dans ce projet. Mes colliers de fleurs, c'est vous qui m'avez donné la force d'écrire, me regarder dans un miroir et de me considérer comme une artiste, de me réaliser. C'est vous qui chaque jour me couvrez de colliers de fleurs. Vos magnifiques messages, vos encouragements, cette force immense que vous me donnez, qui me faites devenir celle que j'ai toujours voulu être. Vous êtes mes colliers de fleurs. Vous êtes mon amour. Dans le corps un vide comme un creux au milieu, un sentiment hybride, perfide et mystérieux, balacide dans le beat, souvenir nauséeux, comme un sol aride rêvant d'un ciel pluvieux. Pourtant c'est bien la vie qu'on peut lire dans mes yeux. Je suis un scaphandre, j'attends un papillon pour réussir à fendre cette horrible prison. J'envoie un message au monde qui m'entoure. Puisque la terre est ronde, je veux en faire le tour. Me perdre dans ce voyage éternel aller-retour. Sortez-moi de cette cage, je veux revoir le jour. Je ne sais pas qui je suis. Mon âme est là-bas et mon cœur ici. Comme si je n'étais jamais vraiment parti. J'ai enraciné ce vide en moi. Je veux connaître la déraison et le dépaysement. Je veux voir les limites de l'entendement. M'enivrer de soleil et de golf clair. Oublier la langue que m'a appris ma mère. Donner à mes souvenirs les couleurs de ce monde. Ne plus jamais douter que la terre est ronde. Je voudrais peindre des tableaux avec des mots. Que mon cœur et mes yeux puissent enfin trouver beau. Depuis mon atelier en plein ciel, je puiserai mon encre et mes aquarelles. Je ne veux plus de ce huis clos, je veux briser ce scaphandre. Devenir un papillon pour enfin comprendre. Dans le corps un vide comme un creux au milieu. Plus je compte mes rides, plus mon cœur se fait vieux. Je veux faire ce voyage, retrouver mes racines. Pas vieillir avant l'âge et qu'on me déracine. Puisqu'on n'est que de passage, connaître mes origines. Je ne serai plus un scaphandre mais bien un papillon. Il est temps pour moi d'apprendre l'évasion. Ce n'est pas cause des mondes du pays. Parce qu'il fait longtemps que ma lac l'Italie. Mon figure est bien bas depuis que mi vie ici. Astermal a oublié les mots, mais mon cœur n'a jamais fait une partie. Je ne sais pas qui je suis. Mon âme est là-bas.